Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, de retour sur Tomb Raider, Lara qui est plus équipée que jamais, dans les deux sens du terme bien sûr. Et nous avons maintenant la clé, enfin nous savons maintenant pourquoi Sam a été kidnappé. C'est parce qu'il y a un transfert d'âme de la même reine. Ce n'est pas une passation de pouvoir, c'est carrément la reine d'origine qui va posséder le corps de celle qui est censée lui succéder. Autrement dit, donc, c'est une espèce de démon. C'est pas une gentille. Là, je sais pas exactement où on est. Là, j'aime pas ça. Cette statue-là. Ça ne me dit rien qui vaille. Point de non-retour. Passé ce camp, Lara ne peut plus utiliser le voyage rapide. Ah, ça veut dire qu'on arrive à la fin? Chinoise à plusieurs milliers d'années. Aurait-il vécu sur cette île avant l'avènement du Yamatai? Canon prêt à tirer, feu! Ah, comme ça, on dirait un espèce de mojo. Ok. Donc, c'est le point de non-retour. Allez, on va améliorer quelque chose. On va améliorer le pistolet. Ah, il y a un silencieux même! Ah, c'est génial ça! Permet d'effectuer des tirs silencieux mais réduit légèrement les dégâts infligés. Ouais. La poignée en caoutchouc permet de réduire le recul. Ça, c'est bon par contre. Et on va améliorer si possible la puissance de notre mitraillette. Le fenêtre d'éjection poli améliore la cadence de tir. Ça, c'est quoi ça? Permet d'augmenter la vitesse des balles et donc les dégâts produits. Ok, il me reste 107. Je ne peux plus rien acheter. Bon, et ben on y va. Pour la suite du périple. Attention, c'est parti. Oula. Il neige ici. Le pont va se détruire. J'ai donc intérêt à courir. Ou alors il va se détruire sur le chemin du retour. Je sais pas. Non! Non, pitié! Lara! Pourquoi est-ce que tu fais ça, Mathias? Tu crois peut-être que tu vaux mieux que moi, Lara? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre. Combien de vies as-tu enlevé pour faire de même? Il n'y a pas de héros ici, seulement des survivants. Himiko est dangereuse, Mathias. Elle est en colère, elle a soif de vengeance et ses pouvoirs sont immenses. Une simple mortelle en échange d'une reine. Notre liberté vaut bien ce petit sacrifice, non? Bon, ben on n'a pas le choix, il va falloir passer par là. On va se faire agresser par plein d'Oni. Putain, c'est génial. Il y a à la fois là, un volcan et à la fois... Ah, voilà. Allez. Ok. Yeah! Donc ça va pas être facile. Ok, nickel. Très bien joué. Oh là là, elle doit se les geler par contre, mon dieu. Allez, on continue, on continue. J'aime bien quand même ces architectures anciennes. Attendez. Je peux pas. Ouais, non.
Oups, pardon. C'est pas ça. Est-ce que ça veut dire que je dois... C'est de là que je viens normalement. Ou pas. Attendez. Ouais, c'est ça. Ok, alors comment faire maintenant pour le tirer comme il faut? Est-ce que je dois faire comme ça plutôt? Attendez. Comment fait-on? Et si je le tire comme ça? Ouais, mais on dirait que c'est pas suffisant au niveau de la puissance. Le problème, c'est que si je redescends, je vais redescendre en bas là. Mais non, c'est pas bon. Attendez, et si je le tire comme ça? Ah! On dirait que c'est pas suffisant. Je peux peut-être utiliser le vent. D'accord. Wallivalo! Merci Lara. Aïe, vamos. Allez. Voilà. Nickel. Ensuite. Ok. Bon bah ça s'est cassé. Alors où est-ce que je peux l'accrocher? Où est-ce que je peux l'accrocher? Ah, ça sert à rien, c'est de là que je viens. Ah bah voilà. Nickel. C'est parti. Oh, que c'était chaud. Ah, ah, mais non, tu peux pas t'accrocher. Mais je me suis censé m'accrocher où? Oh, j'aime pas ça. Ah, là, j'aime pas. Allez. Voilà. Et là, je suis censé sauter où? À part là. D'accord, ok. Lara, attention! Ces enfoirés se dirigent vers toi! On a fait tout ce qu'on a pu pour les ralentir! Allez au bateau. Si je ne reviens pas... On ne partira pas sans toi. On t'attendra. Allez, on traîne pas. Parce qu'on va avoir de la charmante compagnie. Olé! Est-ce que ça veut dire qu'on doit remonter après là-haut? Oh non, mais quoi? Mais non! Oh, ah, c'est une blague! Attendez, je me suis accroché là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de plus? Oui, que je m'accroche où là après? Oh, 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 doucement, doucement. Faut que j'appuie deux fois. Voilà. Voilà. On y va doucement. Et puis c'est bon. T'as fait un froid de canard quand même là-dedans.
Ah bah moi ça m'arrange. Yeah. Oula. Elle est trop forte cette Lara Croft. Il va falloir que je descende par contre. Pas évident. Vraiment pas évident. Mais c'est bon, on y est. Voilà. Un petit feu de camp pour se poser. 30 secondes et puis après on est reparti. Yo. Ouh là là. Ça va être chaud. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des trucs qui se cassent la figure. Là. Par ici. Voilà. Nickel. Musique épique. Oh là là, mais Lara a tué l'épicness. On va bientôt arriver au sommet là. Moi j'ai pris le chemin le plus compliqué, hein. Mathias, lui, est tranquillement pas repassé à l'intérieur, bien à l'abri. Waouh! Ô reine divine! Malgré les épreuves, je t'apporte le réceptacle. Révèle-toi que cette enveloppe mortelle accueille ton âme. Révèle-toi et renais à la vie. Révèle-toi et descends parmi nous. J'ai l'impression que là... Pourquoi ? Ah. Oh, ok. Hey ! Oh mais non mais... Oh, je me suis coincé dans un coin, c'était pas bon ça. Pas bon du tout. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là en plus ces gars-là? Tu vas crever, toi ? Voilà, allez. Wow ! Et voilà. Et un de moins. Yeah. Wow. Attendez. Voilà. J'entends Sam qui hurle, c'est pas bon ce qui se passe.
Dépêchons-nous. Dépêchons-nous, ne traînons pas. Non, on peut pas grimper par là. Ah! Scheiße! Vite, 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 vite! Allez, vite, ne traînons pas. Maintenant, c'est Léonie qui va m'embêter. Ah non. Allez. Ah, c'est bon. Oh non! Oh, mais comment j'ai pu me tuer là? Je suis désolé de m'exaspérer, mais c'est tellement frustrant là. Zut, j'ai loupé. Ok, je les ai vus. D'où est-ce qu'ils m'ont tiré? Oh putain, mais... Ah, je vois, ok. Allez, on avance. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est moi que je t'ai eu. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ça a l'air un petit peu juste. Oula. Allez.
Oula, mais comment j'affronte ça, moi? C'est son dos, ok. Attendez, faut que je le vois parce que sinon, je vais pas y arriver. Attendez, on va y mettre un petit coup de fusil à pompe à chaque fois. Oh, des Oni! Ouf! Il n'hésite pas à faucher ses amis, hein. Je tiens à le préciser. Waouh! Je sens que ça va être dur là. Oh putain. Allez, on y va. Bien. Allez, c'est pas terminé. Oups. Oh. Oups. D'accord. Attendez. Ok, c'est bon. Ouais. Bien. Wow. Ça devient dur de l'avoir. Allez. Allez. Ouf. Aoua. Suite. Allez. Alors, est-ce que c'était bien un zombie? C'était chaud. Ouais, je sais pas trop en fait. Je peux pas dire. Bon, allez, on y va. J'ai plus de munitions de fusil à pompe. Oh, si, ça va. Mitraillette, ça va. Oh, ça va en fait. Ça va. Il y a pire. J'ai pas fait le bon. Et... Ah, les deux jumeaux. Les deux pistolets jumeaux qui font Lara Croft.
Dieu merci. Lara, où sommes-nous? Je suis là. Tu ne crains plus rien. Ça va aller. Ouais. Tu iras bien. Tu m'as sauvée. J'en étais sûre. Je t'avais fait une promesse. On rentre à la maison. C'est Lara! Elle est avec Sam! Elle a réussi. Je crois qu'elle va s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est fini. On peut partir maintenant. Allez, on fout le cours d'ici en vitesse. J'ai été si aveugle, si naïve. Trop longtemps j'en ai voulu à mon père. J'ai douté de lui, comme les autres. Pourtant, c'est lui qui avait raison. J'aimerais tant pouvoir le lui dire. Je repense à tous ces mystères dans lesquels je ne voyais rien d'autre que des légendes. Mais la frontière qui sépare nos mythes de la réalité est obscure et fragile. Je dois trouver des réponses. J'ai besoin de comprendre. Besoin de quelque chose? Je sais pas ce qui s'est passé sur cette île, mais vu ses blessures et votre regard, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, vous rentrez chez vous. Je ne rentre pas chez moi. Et bien voilà les enfants, c'était Tomb Raider. Donc pour le coup, j'espère en tout cas que toutes ces vidéos sur ce jeu vous auront plu. Moi je me suis beaucoup amusé et puis comme d'habitude je vais vous faire une petite critique. Alors d'un point de vue réalisation, je lui mets effectivement une très belle note. Pour le coup, un joli 18 sur 20 parce que de temps en temps il y a des petites traces d'aliasing, etc. Certaines textures ne sont pas extraordinaires. Mais par contre on a une direction artistique qui est géniale, il y a énormément de moments dantesques et épiques, et pour le coup c'est joliment réalisé. Le nouveau look de Lara Croft est superbe, il fait moins adulte pulpeuse que les précédents Tomb Raider, mais justement ce côté plus jeunette lui donne un air plus réaliste, et pour le coup moi ça m'a énormément plu, enfin, j'ai vraiment aimé qu'il fasse ça. Pour ce qui est de la prise en main, c'est génial, hein, Lara Croft se manie, se manie au doigt et à l'œil, et surtout il y a une énorme variété de mouvements possibles, les scènes d'action sont géniales. Franchement, je m'attendais à m'enlacer en fait de toutes ces séquences où on a affaire à des adversaires, mais comme il y a une variété de mouvements, d'armes, au final ça passe très très bien. Pour ce qui est de la durée de vie, eh bien, vous voyez, en tout, nous avons
24 épisodes, chacun d'une durée environ de 20 minutes à une demi-heure, ce qui est plutôt raisonnable. Donc on en arrive en tout à plus de 10 heures, enfin une bonne dizaine d'heures de jeu lorsqu'on avance à une vitesse normale, ce qui est plutôt bon, je trouve. Surtout qu'à la fin, on n'a pas un sentiment de « je reste sur ma faim ». On a un sentiment d'achèvement, on se dit « j'ai fait une bonne aventure, c'est bon, on peut s'arrêter là ». Donc un beau 16 sur 20. Surtout que le multijoueur renforce la durée de vie, et en plus, je n'ai pas tout complété. Ensuite, pour ce qui est de la bande-son, la bande-son est géniale. On a droit à vraiment des musiques épiques dans les moments forts, des musiques tristes comme il le faut dans les moments plus calmes et plus sombres. Et enfin, des petits thèmes effrayants lorsqu'on est dans les grottes ou dans les tombes. C'est parfait. Un joli 18 sur 20. Et enfin, pour ce qui est du scénario, alors je n'en sais trop rien, je ne suis pas familier de la série Tomb Raider, donc je ne peux pas vraiment juger par rapport aux autres. Tout ce que je sais, c'est que, à mon avis, celui-ci a vraiment un scénario plus sérieux et plus sombre que les précédents. Et le fait que Lara, justement, soit encore à ses débuts, et que donc elle doute un petit peu d'elle-même, elle a ses frayeurs, elle a ses tristesses, l'inquiétude, la peur de perdre des êtres chers. On a une Lara qui est bien travaillée psychologiquement, et rien que pour ça, je mets un 17 sur 20. Donc au final, le 18 sur 20 qui avait été donné par jeuxvideo.com est amplement mérité. Moi, pour le coup, j'ai vécu une expérience formidable, donc je suis tenté de mettre un 20 sur 20. C'est toujours la note que je mets quand un jeu me fait vivre une émotion et une aventure que je n'avais pas encore connue jusque-là. Donc, sans hésiter les enfants, si vous posez encore des questions sur le fait d'acquérir ou non ce Tomb Raider, allez-y les yeux fermés. Il est disponible sur PC, sur PS3, Xbox 360. Ce serait dommage de passer à côté. Et moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous proposer tous ces épisodes de Tomb Raider. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain jeu. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous, faites attention, ne buvez pas trop, ne vous couchez pas trop tard, c'est important de bien dormir. Je ne suis pas un exemple en la matière d'ailleurs pour les heures de sommeil. Et surtout, gardez la forme. Allez, ciao tout le monde!